Cette vidéo a été possible grâce au programme EA Game Changers. Hey hey hey, que mes petits culs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test. Pour aujourd'hui, on va tester avec notre ami, je ne sais plus déjà son nom, Elmira, la fabrication de bougies. Donc, ben voilà, on peut déjà voir qu'il faudra acheter des ingrédients entre la cire de soja, du colorant, blanc, colorant bleu, colorant jaune canari, colorant noir, orange ambre, rouge briquet et vert sauge. Ah ah! Donc on va prendre déjà de la cire de soja. On va en prendre 5. C'est déjà pas mal. Et bien sûr, faire une bougie, il faut obtenir plus de débris et morceaux en utilisant un recycleur, en fouillant une poubelle pour trouver des choses ou trier des déchets recyclables et le compost ou en cherchant dans une benne à ordures. Aïe aïe aïe, va falloir qu'on fouille. Ah bah je m'y attendais pas celle-là. Écoutez, j'ai pas beaucoup d'argent mais je vais acheter quelques colorants. 242, allez, on est à 240 pour 242. On est des oufs, nous, on achète tout et on ne peut pas encore fabriquer de bougies. Donc, on va essayer de trouver, eh bien, peut-être une petite poubelle à fouiller. Ah, c'est que... Alors, n'arrête de regarder la télé, j'ai trouvé le premier. Faire une sieste dans la benne à ordures. Chercher des trouvailles. Cette benne à ordures est vide. Zut! Oh, ah, mon Dieu! Oh, il est trop choupi. J'adore. Vas-y. Voilà, t'es très fatiguée et la benne n'attend que toi pour que tu ailles dormir dedans, ma belle. Ok, ce fut très rapide, on n'a pas eu le temps de voir. Et la voilà sortie de sa petite sieste. Mais délire dégoûtant. Oh, chercher les trouvailles, vas-y, vas-y, vas-y. Je t'en prie, fais-moi plaisir et trouve-moi du matos. Oh voilà, on va presque voir sa culotte. Ah. Alors? Elmira trouve ceci, un meuble annonciateur dans la benne à ordures, mais l'état de cet objet est peut-être douteux. Consultez l'inventaire. Ce sera donc dans l'inventaire du foyer, et non pas l'inventaire de ma Sims. Surtout, trouve des choses intéressantes. Oh, elle a trouvé autre chose, une table de salle à manger bois pixelisée dans la benne à ordures. Mais c'est génial, mais tu vas continuer de trouver des choses. Bon, j'ai triché un peu, j'ai acheté le recycleur puisque de toute façon il faut bien je suis là pour apprendre à voir comment va se passer la fabrication de bougies, donc voilà. Allez, on est reparti pour retrouver des trésors. Ah bah voilà, Elmira a trouvé des matériaux recyclés qu'elle pourrait utiliser à bon escient et on va les tester tout ça. Alors, on va pouvoir recycler à partir de l'inventaire, on va recycler ça. Voilà, tu vas pouvoir le faire déjà. Tu vas mettre un énorme truc là-dedans. Ah oui. Ah oui, c'est... C'est vite défoncé ce truc-là. Hein. Pourquoi pas après tout. Hein. Et tu recycleras l'humeur de Ténor. Aussi. Ah, t'avais pas fini, pardon. Oh, c'est pas grave. Hein. Tant qu'elle recycle, moi ça va. Ah, ça y est, notre premier cube. Yes. Donc ça, on l'a récupéré. Et du coup, on peut toujours pas. C'est parti. On va recycler le deuxième objet qu'on a chopé dans la poubelle. Et un nouveau petit morceau. Voilà, ça nous en fait deux. Tu vas... Oh, on peut enfin faire une bougie. Une bougie trempée. Ah, d'accord. Eh ben écoutez, on va en faire une bleue. Tiens, allez. Viens me faire une petite bougie bleue, s'il te plaît. Allez, c'est parti pour la petite bougie bleue. Et je trempe. Ok, c'est déjà brûlé, c'est cool. Et je retrempe. Ah ouais, remarquez, c'est pas mal. Je retrempe, regardez, ça devient de plus en plus épais. C'est pas mal. Elmira Collard commence son parcours dans le monde de la fabrication d'objets. Créer des objets avec la machine à fabriquer ou fabriquer des bougies sur la table de fabrication de bougies améliorera sa compétence fabrication d'objets. Améliorer celle-ci pour débloquer plus d'objets et de types de bougies. Ah bah ça c'est sûr. Ah bah regardez. Bon, elle s'est rebrûlée mais elle est bien large sa bougie. Je pense qu'elle doit être presque finie. Ah, encore un peu. Yes.
Quelle belle bougie! Et voilà, on a fabriqué notre première bougie. Et on va la trouver dans notre inventaire. Oh, qu'elle est belle! Alors, comment ça se passe maintenant? Oh, oui, d'accord. Et maintenant, je peux la poser comme ça et... Et on peut l'allumer, quoi. Allumer cette bougie. Oh, c'est magique! Regardez-moi ça. Ma toute première bougie dans les Sims 4. Voilà, c'est quand même incroyable, cette histoire. Et je peux, du coup, refabriquer une autre bougie. Ah, allez, on va en faire une canarie, tant qu'à faire. C'est encore, du coup, le même maniement que la première. Cette fois-ci, elle s'est pas encore brûlée les doigts. Du coup, je vais lui faire trouver encore plus de choses dans la benne à ordures pour pouvoir recycler, pour avoir du matériel, pour pouvoir refaire des bougies et essayer de faire toutes les bougies. Pourquoi pas? Et hop, une bougie de plus dans l'inventaire. Ah, c'est cool. Et du coup, 25 simflouz la bougie quand même. Et puis, on peut encore en faire. Je sais pas du combien du tout ça nous a rapporté tout ça, mais c'est une bonne nouvelle. Et pendant ce temps, effectivement, ma première bougie bleue a commencé un peu à fondre. Oh, c'est magique. Oh, bah le matin est arrivé, ma bougie est toute rikiki. Donc une fois qu'elle est comme ça, on peut soit régler la couleur d'un si c'est pour considérer comme une lumière, mettre dans l'inventaire, ou jeter la bougie fondue. Tu vas la mettre dans l'inventaire, ça va peut-être donner du matériel pour plus tard. Même la bougie fondue peut être vendue 25 simflouz quand même, hein. Oh, mais regardez ce que j'ai trouvé dans la nature. Une nouvelle plante. Un plant de soja. Et c'est génial pour la cire, en fait. On va en avoir besoin. Et les sojas poussent en été et en automne. Du coup, je me demande ce que ça fait de mettre des graines de soja dans le recycleur, en fait. Un peu bizarre, mais on va tenter. Pourquoi pas? Oui, alors des graines de soja, c'est pas un truc aussi gros, hein, quand même. Ah bah ça me fournit le même petit cube. C'est bon à savoir, tu vas recycler à partir de l'inventaire le lit que tu as récupéré dans la benne également. Du coup, je vais encore fabriquer quelques petites bougies. Voilà, parce que dans la fabrication d'objets, qui est donc une nouvelle compétence, eh bien, on est qu'à niveau 1,28-29. Vous voyez, ça augmente tout de suite dès qu'elle s'y met. Donc on va travailler là-dessus un peu. Oh, mais je n'avais pas vu ça récupérer de la cire de soja. Bah écoute, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Oh, mais c'est trop cool. Waouh, c'est merveilleux. Ils ont même fait les sachets plastiques qui s'envolent, quoi. Du coup, je me dis que vaut mieux en planter chez soi directement. Oh, et on est au niveau 2 de la compétence de fabrication d'objets après avoir fait 4, 5, 6, 7. Bah, notre 8e bougie, quoi. Du coup, pour cette vidéo, je pense qu'on a compris le principe pour la fabrication de bougies. Vous devez avoir des différents matériaux comme de la cire, des colorants si vous voulez bien ajouter des couleurs et du matériel qui soit recyclable et avoir de préférence le petit recycleur avec vous pour pouvoir créer des petites bougies, sachant que même des graines de soja peuvent faire le taf pour être recyclées dans cette machine. Et puis, il faut de la patience et de la practicité pour pouvoir gagner en compétences pour la fabrication d'objets et je pense débloquer les autres sortes de bougies. Et voilà ce que donnent les petites bougies une fois qu'on les a allumées, vu qu'on peut aussi régler l'intensité de leur consommation, comme on nous avait dit dans le live. Il suffit pour ça de faire mage et clique sur la bougie, vous allez voir... Définir à quel point la bougie est consumée, vous cliquez dessus et là vous avez le choix moitié consumée, neuve, presque totalement consumée ou un peu consumée. Et du coup vous cliquez dessus et vous voyez que la bougie en l'occurrence change complètement d'aspect. Voilà pour cette petite vidéo de test pour la fabrication de bougies. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si vous voulez du contenu. Je vous remercie, à très bientôt, ciao!